Bien, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, je salue madame la vice-présidente de Montpellier Méditerranée, Métropole, je dirais Agropole, non pas du tout, mélangeons pas. Je salue également le Drari adjoint. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, cher Philippe Dubois, très heureux donc d'être aujourd'hui réunis pour cette cérémonie de docteur honoris causa, vous concernant notre collègue Philippe Dubois, président recteur de l'Université de Mons, chimiste, et je vais revenir à travers quelques brèves minutes sur la signification de cette cérémonie. Les doctorats honoris causa, vous le savez toutes et tous, sont des remises de titres honorifiques qui, en France, eh bien, résultent d'un texte, qui est somme toute assez ancien, ça résulte d'un décret de juin 1918, même si l'existence même des doctorats honoris causa est plus ancienne, puisqu'on en trouve trace dans des universités françaises et étrangères dès le XVIIe siècle. Et selon le décret donc, de 1918, eh bien, il s'agissait à travers ce titre eh bien, de reconnaître le titre de docteur à des personnes de nationalité étrangère pour services rendus. Services rendus soit aux sciences, aux lettres, aux arts, service rendu à la France ou service rendu à l'université, délivrant le titre. Et plus récemment, c'était en 2002, le titre
conditions d'attribution du doctorat honoris causa ont évolué et c'est désormais un décret du 21 mars 2002 qui organise donc qui régisse donc ces cérémonies. Les établissements ne peuvent attribuer chaque année que 4 titres docteur honoris causa. Et j'ai coutume à dire, quelle que soit la taille des établissements, merci beaucoup, donc nous sommes un petit peu contraints. Et cette année, eh bien, nous avons choisi, comme c'est quasiment le cas chaque année, eh bien, de tenir compte donc de différents profils soit de formation, soit de recherche, pour honorer 4 collègues donc d'universités étrangères. C'était, il y a quelque temps, la professeure Cézic, qui est professeure de sciences politiques à l'Université des Arts de Belgrade, dans le cadre des 40 ans du Centre d'études donc politiques de Montpellier. Ce sera donc cette semaine, vendredi exactement, le professeur Olmos, qui est psychologue et recteur donc de l'Université de Barcelone, université donc avec laquelle nous partageons un projet d'université européenne. Et ce sera la semaine prochaine donc le professeur Sorochian, en hydrologie, là aussi pour mettre à l'honneur une autre communauté, la communauté des sciences de l'eau, professeur qui est à l'université, lui, de Californie. Vous le voyez donc, c'est la double volonté de mettre à l'honneur des collègues, mais des collègues qui sont au sein de communautés avec lesquelles eh bien, nous avons des liens étroits. Quand je dis nous, c'est soit des structures de recherche, soit des composantes de formation. Et donc aujourd'hui, sur la proposition de la communauté chimie et de la faculté des sciences, eh bien, nous honorons le professeur Philippe Dubois. Alors, certes, je ne vais pas faire, cher collègue, votre éloge. Le professeur Clément le fera bien mieux que moi. Je ne peux pas trop dire également d'éléments donc, concernant les relations entre l'Université de Mons et la faculté des sciences, même entre vous et la faculté des sciences. C'est le doyen Marin qui le fera également mieux que moi. Donc, je vais simplement évoquer quelques éléments, je dirais, de carrière, mais également quelques éléments que nous avons en commun, chers collègues. Alors, éléments de carrière, puisque après une scolarité sur les bancs de l'Université de Namur et un doctorat à l'Université de Liège, vous avez rejoint l'Université de Mons-Hainaut, devenue donc aujourd'hui l'Université de Mons, où vous avez fondé le service des matériaux polymères et composites. Alors, premier élément, Université de Mons-Hainaut, aujourd'hui Université de Mons, vous êtes recteur d'une université fusionnée, un élément déjà que nous partageons en commun. Vos études de recherche, je ne les développerai pas trop parce que je ne suis pas chimiste, sont reliées au domaine de la conception et des applications des polymères, ainsi que sur les questions des nanocomposites à base de polymères avec une préoccupation majeure en tête qui est toujours d'améliorer leur empreinte écologique. Là aussi, on pourrait voir un élément également rapprochant nos établissements, puisque l'Université de Montpellier eh bien, travaille une visibilité singulière sur la thématique écologique. Aujourd'hui, notamment, nous devons aussi travailler sur ces questions de transition écologique. Et vos travaux remarquables et pionniers font de vous, finalement, un des scientifiques de ce domaine les plus cités au monde. Vous faites partie du top 2 du World Scientist, publié par Stanford University, donc traduisant par là même l'excellence de vos capacités, de vos travaux de recherche. Et également, vous avez été, chers collègues, distingués par de nombreux prix nationaux et prix internationaux. Alors, c'est par exemple le prix triennal de la Société royale de chimie, le prix Xenob de l'innovation technologique en région Wallonne, c'était en 1911, le prix quinquennal du FNRS en sciences exactes appliquées, également donc, alors ce que je ne connais pas, mais peut-être vous le direz, le BEPS Lifetime Achievement Award en 2018, mais peut-être que l'éloge prononcera Sébastien reprendra cela plus en détail que je ne pourrai le faire. Et je sens peut-être quelques instants de solitude chez Sébastien, parce qu'il n'a pas prévu de développer cela. Privilège du premier à parler. Alors, chers collègues, dans le cadre de vos activités de recherche, vous avez noué des liens forts avec l'Université de Montpellier. Et c'est ce qui justifie par là même aussi l'attribution de ce titre docteur honoris causa. Liens forts qui se sont matérialisés par deux thèses de co-tutelle, liens forts qui se sont également matérialisés par de nombreuses collaborations avec des chercheurs du pôle chimie. Et puis vous avez également donné, et vous donnerez encore demain, vous avez donné plusieurs conférences au sein de l'Université de Montpellier, notamment auprès de l'école doctorale sciences chimiques Ballard ces dernières années. Et je salue le directeur de l'école doctorale que j'ai vu à l'instant.
Mais vous avez également une carrière où de nombreuses interventions et un savoir-faire, on peut dire, dans les questions d'administration. En effet, eh bien, vous avez en premier lieu lancé le développement du département de l'administration et de la valorisation de la recherche, et vous avez œuvré à la structuration de la recherche à l'échelle de la nouvelle université, l'Université de Mons. Et puis, en 2016, après ce travail, et je dis bien ce travail qui avait déjà duré plusieurs années, puisque de 2006 à 2009, vous avez été conseiller du recteur donc, pour les questions de gestion de la recherche, puis vous avez été ensuite, donc, de 2009 à 2016, vice-président en charge de la recherche d'université. Vous avez souhaité, donc, en 2016, prendre une année sabbatique pas très loin, puisque c'était dans le Grand-Duché du Luxembourg, mais pour y lancer un centre de recherche de pointe dans votre domaine de prédilection. Une année sabbatique qui vous a également, je dirais, amené à réfléchir sur les questions de la gestion établissement, dans le sens où, eh bien, quand est apparue la fin de ces sabbatiques, votre attachement à l'Université de Mons tend très fort, eh bien, vous brillez. Vous brillez le rectorat de ce que vous appelez vous-même votre université. Vous avez été, chers collègues, élu recteur de l'Université de Mons en 2018. Vous avez été réélu en 2022. Et je dois dire qu'il y a, quand on lit vos prises de position, certains éléments qui nous rapprochent, dans le sens où vous dites eh bien, que l'Université de Mons doit à la fois jouer pour exploiter, renforcer son ancrage territorial et sa dimension humaine qui permet le positionnement de l'étudiant au centre des préoccupations et en même temps participer au développement du rayonnement international de l'université, assuré notamment par la qualité des recherches. Il y a toujours la logique des deux positionnements d'université. Une université qui est ancrée dans un territoire, une université qui est également donc visible dans les classements internationaux par le rayonnement de sa recherche. Certes, on ne dirige pas un établissement d'enseignement supérieur pour les classements internationaux, mais il faut toujours avoir ces deux éléments, parce que de l'ancrage territorial, eh bien, nous répondons à un besoin de formation, un besoin donc d'insertion professionnelle. Donc finalement, ancrage territorial, rayonnement international, c'est également la position que nous souhaitons avoir au niveau de l'université, dans l'équipe aujourd'hui, avec notamment l'ensemble des vice-présidentes et vice-présidents. Point commun également entre nos deux présidences, eh bien, c'est que vous êtes dans un réseau d'universités européennes qui s'appelle UNIS. Alors en France, nous avons notre réseau d'universités françaises qui s'appelle UDIS. Alors ce n'est pas à une lettre près, ce n'est pas tout à fait la même chose. UDIS sont les universités intensives de recherche, réseau dans lequel aujourd'hui toutes les universités ne sont pas, mais bon, ça pourra peut-être évoluer. Mais ce réseau donc d'universités européennes UNIS, eh bien, c'est l'équivalent de notre réseau d'universités européennes Charn 8, maintenant, donc, que nous avons également créé. Et je pense que dans un moment où les questions, des fois, de mobilité étudiante, eh bien, ont pu connaître, je dirais, certaines restrictions, dans un moment où beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens doutent de l'Europe, de l'ouverture européenne, eh bien, travailler dans un réseau renforcé d'universités à l'échelle européenne, avec de vraies passerelles, de vraies mobilités, avec également des actions de recherche, peut relancer donc l'esprit européen qui, parfois, eh bien, nous manque tant. Votre réseau aujourd'hui regroupe donc 10 universités européennes. Nous sommes passés de 5 à 8. Mais il y a donc une similitude. Similitude donc de fonction, similitude de positionnement, similitude également de partenariat. Vous me permettrez de terminer par une dernière similitude. C'est, je dirais, une similitude chirurgicale, puisque nous sommes tous les deux avec une hanche neuve. Moi, la droite, vous, la gauche. Récemment, donc, remis sur selle. Et donc, là aussi, cet élément complémentaire. En tout cas, chers collègues, ça, ce n'était pas dans mes éléments de langage, mais je l'ai vu à la vitesse où vous descendiez les escaliers, moi aussi. Donc. Mais nous avons aussi discuté que vous, maintenant, la gauche et moi, enfin, vous, maintenant, la droite et moi, la gauche, nous commencions à avoir également quelques mal. Donc, les PUPH qui sont dans l'assistance pourront peut-être vous aider pour la suite. En tout cas, chers collègues, c'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Acteur de l'université, scientifique reconnu, il était tout à fait logique eh bien, que vous soyez honoré donc, par notre établissement.
et que ce titre docteur qui ne confère pas beaucoup de prérogatives, si ce n'est un titre, une appellation, fait que vous êtes des nôtres aujourd'hui, vous êtes donc de l'université, et donc vous allez avoir, si cela était encore nécessaire de le dire, une obligation, c'est de parler toujours en bien, à présent, de l'Université de Montpellier, et comme je vais laisser la parole au doyen, ça sera de parler toujours en bien aussi de la Faculté des sciences de l'Université de Montpellier. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous, chers collègues, et j'espère que nous reverrons encore à de très nombreuses occasions, conférences, encadrement de thèses, relations aussi entre la Faculté des sciences, mais également l'ensemble des collègues du pôle chimie, l'Université de Montpellier, et aujourd'hui, et pour le futur, chers collègues, votre université. Je vous remercie. Écoutez, chers toutes et tous, chers collègues, à la fois enseignants-chercheurs, chercheurs, chers collègues administratifs et techniques, je vois beaucoup d'amis et collègues dans la salle. C'est un immense honneur pour moi d'être ici. Et je vais essayer de m'articuler autour du discours toujours très pertinent et très bien choisi de Philippe. Alors là, il a tiré en premier et je vais faire preuve, Philippe, de complémentarité pour donner quelques éléments de carrière de monsieur Dubois. Donc c'est un immense honneur avec lequel je prends la parole pour célébrer cet événement. Oui, c'est un événement exceptionnel quand même, je tiens à le dire, la remise d'un docteur honoris causa, il n'y en a pas beaucoup. Philippe, tu as rappelé le nombre qu'on en remettait. Et c'est un honneur de le remettre à, j'ose le dire, l'un des plus grands chimistes au monde, le professeur Philippe Dubois. Donc, cher Philippe, ce titre reconnaît non seulement votre excellence académique et l'impact de vos contributions, mais également votre apport exceptionnel, que Philippe Auger a rappelé, à la structuration et à l'évolution des institutions universitaires belges francophones, notamment dans la province wallonne de Hainaut et son chef-lieu Mons, à quelques kilomètres de la frontière française. Donc, cher Philippe, Sébastien Clément le fera mieux que moi, mais vous êtes un pionnier dans le domaine de la chimie verte. Oui, la chimie, ça peut être vertueux. La chimie verte, ça existe. La chimie, ce n'est pas que les produits chimiques qu'il faut faire. Moi, je fais la promotion de la chimie. Je le ferai encore après, de manière importante. Et vos recherches sur les bioplastiques ont eu un impact scientifique considérable et illustrent à merveille votre engagement envers l'interdisciplinarité, parce que ça, c'est évidemment... La chimie, c'est une discipline intrinsèquement interdisciplinaire, moi, je trouve, et notamment pour un avenir durable. Alors, le président Auger a rappelé un petit peu votre remarquable taux et positionnement dans la communauté, mais avec plus de 800 publications et 76 brevets, votre œuvre a non seulement enrichi la connaissance scientifique, mais également trouvé de très nombreuses applications dans l'industrie. Et ça, c'est absolument remarquable d'avoir à la fois cette telle contribution scientifique et aussi un nombre aussi considérable de brevets. Avec une telle production aussi, on pourrait penser que toute votre énergie s'est tournée vers la recherche, et évidemment, il n'en est rien. Votre engagement dans les tâches administratives est assez époustouflant. Votre parcours à l'Université de Mons témoigne de votre dévouement à l'enseignement supérieur, que Philippe, évidemment, a décrit, je ne vais pas le redécrire, mais je tiens à rappeler trois éléments qui sont importants et avec lesquels on a pu échanger ce matin à midi. Un engagement pour que l'université joue un rôle moteur dans l'engagement dans l'ascension sociale, voilà, on a parlé de ça vous tient à cœur et on le voit. Un engagement pour que l'éducation et la recherche bénéficient à tous, et un engagement pour défendre l'importance de l'ancrage régional des universités, un modèle ouvert, un modèle exigeant, mais aussi tourné vers l'international, et on a discuté avec François Pierrot, Sébastien, ce matin, aussi à midi, avec Jean-Sébastien, Jean-Yves, on porte exactement les mêmes valeurs à l'Université de Montpellier, et c'est ça, ancrage régional, on a une mission de service public pour les étudiants du bassin, mais aussi ne pas renier l'exigence, l'excellence, et se tourner vers l'international, voilà, c'est un point important. Concernant nos relations institutionnelles, cher Philippe, vous avez été moteur dans la signature d'un accord Erasmus+, qu'on a signé en juin 2023 entre l'Université de Montpellier et l'Université de Mons, et on en a parlé ce matin. On va essayer d'aller plus loin. François Pierrot, on est en train d'essayer d'évaluer vers... Voilà, on a parlé co-diplomation. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile en Belgique de faire ça, mais on va essayer d'aller plus loin parce que l'Université de Mons, pour nos étudiants ou pour vos étudiants, l'Université de Montpellier peut être
évidemment un terrain d'accueil, un terrain d'échange et un terreau extrêmement profitable. Cette cérémonie, c'est aussi pour moi l'occasion d'apporter un peu de visibilité à la Faculté des sciences. Faculté des sciences, plus de 8000 étudiants, plus de 190 parcours de formation, une très grande diversité thématique. La Faculté des sciences, elle offre des formations par la recherche, diversifiées, attractives, tournées vers les entreprises. Et aujourd'hui, grâce à vous, cher Philippe, c'est son département de chimie qui est à l'honneur. Alors la chimie, à Montpellier, c'est un énorme pôle de formation et recherche. Je vois des directeurs de labo, on a parlé du directeur de l'ED, il y a la directrice du pôle chimie, ici, chère Julia. Et ça a un impact assez important, ça donne une couleur à l'Université de Montpellier via le pôle Ballard. Et la chimie à la Faculté des sciences, c'est aussi un des gros départements à la Faculté des sciences, c'est plus de 70 anciens chercheurs, 10 personnels techniques, une soixantaine de vacataires, 11 parcours de master, de la chimie théorique et modélisation à l'ingénierie des cosmétiques, en passant par la chimie des biomolécules et des matériaux, 3 parcours de licence, incluant une licence professionnelle en sciences et technologies parfums, arômes et cosmétiques, la L3 PROPAC. Et donc, la chimie, elle a une place particulièrement importante au sein de la Faculté des sciences, et c'est pour moi là l'occasion de le rappeler. Plus généralement, la chimie, alors je prêche beaucoup de convaincus, mais la salle est diversifiée. La chimie, c'est aussi une industrie qui s'appuie sur un très large éventail de métiers, et il est toujours bon de rappeler que l'industrie chimique, elle alimente la majorité des secteurs économiques français. Elle emploie plus de 220 000 salariés pour plus de 3 000 entreprises, et c'est plus de 15 000 recrutements par an. Donc la chimie, c'est quand même quelque chose de particulièrement important et qu'on met particulièrement en avant quand on parle de l'insertion professionnelle des étudiants de la Faculté des sciences. On montre aussi la chimie comme un exemple de réussite avec ses formations et apprentissages, avec sa L3 Pro, avec ses enseignants dévoués, avec ses 4 vice-doyens sur 6 de la Faculté des sciences qui sont des chimistes, je dois le dire, et avec cette appétence, alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a à leur demander? Non, rien. Cette appétence à la diffusion scientifique. Moi, les chimistes, ils m'ont permis de rencontrer des gens assez extraordinaires. Philippe Dubois, ce matin, on va partager un dîner aussi ce soir et discuter. On discute science, on discute structure. Voilà. J'ai aussi pu rencontrer Jean-Marie Tarascon en 2022, médaille d'or CNRS, membre de l'Académie des sciences, qui nous a parlé batterie au lithium. Ils m'ont permis de rencontrer Bernard Meunier, récemment, membre et ancien président de l'Académie des sciences et du CNRS. Bernard est venu nous parler pour savoir s'il fallait avoir peur de la chimie. Donc, bien sûr, il ne faut pas avoir peur de la chimie. Donc, c'est un débat qu'on a eu avec des fois l'image que peut avoir la chimie. Et puis, cher Philippe, demain, vous allez nous indiquer un petit peu comment la chimie façonnera les matériaux du futur. Donc, merci infiniment de faire cet effort à destination de publics éventuellement non spécialistes, mais de tout public, je veux dire grand public, de faire la promotion des sciences. Et ça, les chimistes le font très bien. Pour conclure, je dirais, cher Philippe Dubois, que vous êtes un modèle d'excellence scientifique, d'engagement éducatif et de contribution sociétale. Et je trouve personnellement que votre parcours est source d'inspiration. Alors, il va être difficile à suivre. Hein. De 800 publications, 76 brevets, direction d'université, structuration, fusion d'université. Vous devez avoir le don d'ubiquité ou peu dormir. Mais voilà, on peut quand même essayer de s'en inspirer. Et je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Sébastien Clément, le directeur département de chimie de la Faculté des sciences, qui va, à n'en pas douter, savoir mieux que moi et mieux que je ne l'ai fait parler de l'impact, oui, on lui met un peu la pression, de l'impact de vos découvertes scientifiques. Donc, merci à tous d'être présents. Il y a beaucoup de vice-présidents de l'université qui sont venus et d'accorder une importance particulière à ces cérémonies. Moi, j'y tiens. La Faculté des sciences, monsieur le président, elle proposera autant qu'elle peut des scientifiques. Elle n'arrivera pas toujours à ce niveau d'excellence, mais elle essaiera toujours au moins de l'atteindre. Merci à toutes et tous. Monsieur le Président, cher Philippe, mesdames, messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, monsieur le doyen, cher Jean-Michel, madame la vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, chers et chers collègues, chers et chères étudiantes et étudiants,
Monsieur le recteur président de l'Université de Mons, cher Philippe, comme vous l'avez présenté juste à l'instant, c'est à moi que revient la lourde tâche de présenter la carrière de Philippe, avec beaucoup de pression. C'est avec une immense fierté et bien sûr un grand plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous pour célébrer cette remise du titre de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Cette cérémonie, comme l'a rappelé notre président, est un moment privilégié dans la vie de notre université, de notre faculté, mais également de notre département d'enseignement, qui vise à honorer, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, une personnalité scientifique internationale pour l'excellence de ses travaux de recherche, de sa contribution exceptionnelle aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, et pour ses liens également avec l'Université de Montpellier. L'ensemble de ces qualités, comme je vous l'ai démontré, sont réunies à travers la distinction qui est faite au professeur Philippe Dubois. Avant de vous présenter la remarquable carrière scientifique du professeur Philippe Dubois, j'aimerais me remercier les services centraux de l'université et les services administratifs de la Faculté des sciences, en particulier ceux des relations internationales et de la communication, qui ont permis l'accueil et l'organisation de la venue du professeur Philippe Dubois dans les meilleures conditions, ainsi que l'organisation, bien entendu, de cette cérémonie. Comme on vous l'a présenté, on vous l'a rappelé, le professeur Philippe Dubois est un éminent chercheur dont le parcours académique a été marqué par une passion indéfectible pour la science et l'innovation. Philippe a commencé sa carrière académique comme chargé de cours à l'Université de Montsenot, donc UMH, devenu, comme on vous l'a dit, après fusion, l'Université de Mons en 2009, pour y lancer les premières activités en chimie de synthèse macromoléculaire de l'université. Il y fonde ainsi le service des matériaux polymères et composites, qu'on appelle le SMPC, dans le cadre du pôle d'excellence Materialova, comme il le dit souvent au départ d'une table et d'une chaise. En 1999, il est nommé professeur et en 2003, professeur ordinaire où il enseigne notamment la chimie organique, la chimie macromoléculaire et la chimie industrielle à la Faculté des sciences. Ces activités de recherche, comme on vous l'a déjà un peu expliqué, sont liées à l'ingénierie des matériaux polymères et composites. Et elles visent plus particulièrement à intégrer des concepts de chimie verte. Et ce n'est pas un gros mot. C'est même plutôt une grosse qualité. En nanotechnologie et en sciences des matériaux, à travers une approche multidisciplinaire, mais également interdisciplinaire, qui permet de mélanger la chimie organique, la catalyse organique et organométallique, la chimie macromoléculaire et la science des matériaux polymères et nanocomposites. Il serait bien trop long de vous citer l'ensemble de ses contributions dans chacun de ces domaines, mais malgré tout, je vais essayer, à travers quelques exemples choisis, de vous illustrer ceux qui sont internationalement reconnus et qui va sans doute vous parler plus en détail dans sa présentation. Le premier majeur, ce sont les matières plastiques, ou plutôt bioplastiques. Les matières plastiques, comme vous le savez, sont omniprésentes dans nos vies, que ce soit dans l'automobile, le bâtiment, les travaux publics ou encore, et ça représente une grosse partie, les emballages. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde chaque année. Et si on compare par rapport en 2000, ça fait plus du double. Afin d'améliorer l'empreinte écologique de ces plastiques, Philippe a été, comme l'a dit notre cher président, un des premiers en Europe à démontrer le potentiel de ces bioressources locales et renouvelables pour la production de matières plastiques, permettant ainsi de s'affranchir du pétrole comme matière première. Ainsi, toute une nouvelle génération de biomatériaux polymères et nanohybrides multifonctionnels a pu être préparée en combinant la catalyse de polymérisation et l'extrusion réactive. Ainsi, un premier procédé de production continue du plastique biosourcé et biodégradable, qui est le plus industrialisé de nos jours, l'acide polylactique ou PLA, a pu le voir le jour en exploitant un système catalytique utilisable en extrusion réactive breveté par l'équipe du professeur Philippe Dubois. La production de ce PLA à grande échelle est assurée par la société Futero. Il fait également partie du conseil scientifique de Carbios, une société clermontoise dont l'un des objectifs consiste à la valorisation de déchets plastiques,
dont le PLA, qu'elle dépolymérise par voie enzymatique. Une seconde contribution que je voulais vous illustrer avant tout est liée au secteur de la marine, et notamment le revêtement extérieur des bateaux et bâtiments marins. Les carènes des bateaux, comme vous le savez, voient proliférer des organismes marins sur la totalité de leur surface pour former une pellicule plus ou moins épaisse de matière organique qu'on appelle un biofilm. À titre d'exemple, cela représente 6 000 tonnes de salissure pour un transporteur de containers de 40 000 m2 de surface immergée. Cela conduit forcément à un surcoût en termes de carburant lié à l'augmentation des frottements avec l'eau. Afin de pallier ce problème, l'équipe de Philippe a mis au point la première peinture anti-biofilm dépourvue de tout bactéricide, dont Philippe vous parlera sans doute plus en détail dans son exposé. Cette peinture a une action permanente et permet une diminution de carburant estimée à 120 millions de tonnes de fuel par an, et donc également une diminution des déchets, des rejets de CO2 qui sont associés. D'un point de vue financier, cette solution permet également d'éviter la mise en cale des bateaux pour en décrasser les coques. Cette peinture est actuellement commercialisée par la société Lippens Painting en nanosil. À travers ces deux exemples, vous pouvez voir comment la chimie verte et la protection de l'environnement sont au cœur des thématiques de recherche de l'équipe de Philippe et comment elles peuvent être aisément reliées. Ces thématiques, comme vous vous en doutez, font également écho à celles de notre université, où les thèmes nourrir, soigner, protéger et notamment la protection de notre environnement constituent des axes forts du label ICIT d'excellence décroché par notre université. L'ensemble des travaux de recherche d'excellence menés par Philippe a conduit une production scientifique exceptionnelle, comme l'a souligné notre doyen, basée sur plus de 800 articles et 76 brevets, dont près d'un quart a donné lieu à l'industrialisation de produits procédés. Ces travaux rassemblent plus de 62 000 citations et conduisent à un facteur H de 118. Cette reconnaissance internationale se manifeste également par le grand nombre d'invitations à conférences et son classement pour la période 2000-2010 dans le top 100 mondial des scientifiques dans le domaine des matériaux établis par Thomson Reuters. Plus récemment, le classement publié par recherche.com l'a établi comme meilleur scientifique de Belgique en sciences des matériaux. Pour rappel, la mission de recherche.com est de motiver les chercheurs, les hommes d'affaires et les décideurs du monde à identifier les meilleurs experts tout en offrant à l'ensemble de la communauté des chercheurs la possibilité de découvrir qui sont les meilleurs experts dans des domaines de recherche spécifiques dans différents pays ou même au sein d'institutions de recherche. Philippe est également professeur invité dans de nombreuses universités internationales. On peut en citer quelques-unes, comme la Zhejiang University, la Sichuan University en Chine, l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, qui fait aussi partie également de l'UNIS, la Michigan State University aux USA. Cette excellence scientifique a été également couronnée par de multiples prix scientifiques. Pour n'en citer que quelques-uns, je vais reprendre quelqu'un que vous avez cité, Monsieur le Président, le prix triennal de la Société Royale de Chimie, le National Belgium of Energy and Environment, le prix Zenob de l'innovation technologique en région Vallonne, et on peut également surtout ajouter le prix quinquennal du FNRS en sciences exactes appliquées, qui est le prix le plus prestigieux délivré tous les 5 ans par le FNRS en Belgique et personnellement remis par le roi Philippe de Belgique. Il n'oublie d'ailleurs jamais de rendre hommage à ses collaborateurs, rappelant que la recherche est un travail d'équipe, c'est un honneur collectif, comme il le dit souvent. Philippe est également membre de plusieurs conseils d'administration et International Board, citons en outre que de 2016 à 2018, il fut président du Japan-Belgium Association on Polymer Science, Tokyo-Bruxelles, Japan-Belgium vice-président de 2012 à 2015, et il est également membre de l'International Advisory Board de SABIC Innovative Plastic, 2012 à 2018, ou encore Imeris de 2017 à 2018, et comme je l'ai cité précédemment, Carbios. Outre l'excellence de ses travaux, Philippe a également été ou a su être un mentor pour toute une génération de scientifiques en partageant de manière passionnée et toujours avec le sourire ses connaissances et ses conseils.
J'ai eu le grand honneur de faire partie de ces chercheurs qu'il encadrait tout au long de sa carrière. Nos chemins se sont croisés il y a un peu plus de 15 ans. À l'époque, vous en doutez, j'étais plus jeune, plus svelte et surtout plus chevelu. J'effectuais un stage postdoctoral au Canada à l'université de Sherbrooke et je souhaitais revenir en Europe pour une seconde expérience postdoctorale. Donc mon choix s'est orienté vers la Belgique et grâce au conseil du professeur Yves Geertz de l'Université libre de Bruxelles, j'ai pu rejoindre le groupe de Philippe pour un contrat autour des polymères pi conjugués pour l'électronique organique, thématique qui venait d'être lancée au SNPC. Afin d'illustrer sa capacité à encadrer, échanger avec ses chercheurs avec bienveillance, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Le premier jour de ma venue dans son équipe, nous avions un entretien, et ses premières paroles ont été « Installe-toi tranquillement, prends tes marques et nous en rediscuterons plus tard du projet ». D'autres collègues, dont je tairai les noms, m'ont dit qu'il s'agissait du patron de laboratoire le plus sympathique de Belgique. Ces propos vous illustrent parfaitement ses qualités humaines et sa volonté d'offrir un environnement de travail épanouissant pour ses chercheurs et propice à la réussite de son laboratoire. J'ai d'ailleurs pu bénéficier de ses conseils avisés sur l'art de bien servir une bière avec une tireuse. Ce passage dans son laboratoire a permis de faire naître ensuite une collaboration fructueuse avec lui et son équipe qui s'est développée au gré des années. Ainsi, après mon recrutement à l'Université de Montpellier, avec l'aide du soutien financier de l'Université de Montpellier et de l'Université de Mons, et après une bataille administrative de part et d'autre, nous avons pu mettre en place deux thèses en co-tutelle, portées respectivement par Amandine Thomas et Michel Chevrier, que je souhaite remercier devant vous. Ces deux thèses ont donné lieu à une douzaine de publications. Ces collaborations ont conduit également à la venue d'étudiants pour des stages plus courts. On peut citer notamment Florian Boone et Riccardo Di Succio, que je souhaite remercier également. D'autres publications, projets, ont ensuite été menés ensemble, ainsi qu'avec des collègues de notre université. Bien sûr, l'implication de Philippe va bien au-delà de seule son application scientifique. Philippe s'est également énormément investi dans son université. Ainsi, il a été directeur du département chimie, place que j'occupe aujourd'hui, de 2003 à 2007, vice-doyen de la faculté des sciences de 2002 à 2005, et en 2007, donc le professeur Philippe Dubois décide de fédérer la recherche et dans le domaine des polymères et fonde le Centre d'innovation et de recherche en matériaux polymères qu'on appelle le CIRMAP. Cette volonté d'agir au niveau de la gestion de la recherche à l'Université de Mons s'est également manifestée par sa fonction de conseiller du recteur entre 2006 et 2009, comme vous l'avez cité, cher président, avant d'occuper le poste de vice-recteur à la recherche jusqu'en septembre 2016. Sa capacité naturelle à fédérer autour de lui des hommes et des femmes autour d'un projet et sa volonté de faire rayonner son université l'a amené à aller plus loin. Depuis 2018, il est ainsi le président-recteur de l'Université de Mons. Vous en conviendrez, monsieur le président et monsieur le doyen, qu'il n'est pas possible d'être président d'université et le doyen de la faculté des sciences sur cette capacité à fédérer et à réunir autour de soi une équipe motivée ayant à cœur de faire rayonner sa composante ou son université. Comme le dit Philippe, on ne fait rien tout seul. Depuis 2022, il est également le premier président de l'université européenne ENIS, rassemblant 10 pays européens et regroupant près de 170 000 étudiants-chercheurs. En tant que recteur de l'université de Mons, Philippe contribue activement à l'enrichissement du paysage académique avec les partenaires de la province du Hainaut, mais également avec les autres rectrices et recteurs francophones. En témoigne son combat récent pour le lancement d'un master en médecine qui ouvrira à la rentrée 2024, ou encore le développement d'un nouveau campus à Charleroi. À l'image de ce qu'il a pu développer au niveau de la recherche, Philippe a à cœur de mettre l'étudiant au centre de ses préoccupations. Il est farouchement convaincu que l'université a toujours un rôle d'ascenseur social à jouer et qu'un lien entre éducation et les sciences est indispensable. Grâce à leur formation et leur recherche, les universités, et c'est même le cas pour la nôtre, constituent des moteurs qui bénéficient à l'économie locale. On a parlé d'ancrage territorial.
Il a ainsi su développer un environnement qui était propice à l'innovation, à l'échange d'idées, plaçant l'université au cœur des développements scientifiques, sociaux et culturels. Outre l'ancrage territorial de l'Université de Mons, Philippe a à cœur d'ouvrir son université à l'international. C'est pour ça que, sous son impulsion, comme l'a rappelé notre doyen, un premier accord Erasmus+ a été notamment signé avec la Faculté des sciences afin de permettre l'échange d'étudiants et d'enseignants venant de toutes les disciplines scientifiques entre les deux facultés de nos deux universités. Nul doute que les échanges dans les mois ou les années qui viendront s'étendront à d'autres domaines et dépasseront le cadre pédagogique, comme l'ont montré nos discussions de ce matin avec M. Pirot. Enfin, ces centres d'intérêt ne se limitent pas à la chimie, mais couvrent également le basket, la course à pied et le bon vin. Philippe a suivi des cours d'œnologie pendant quelques années. Il est important de noter que la seule pièce dotée d'un conditionnement d'air dans sa maison n'est autre que sa cave. Ainsi, quoi de mieux que de se retrouver à Montpellier et sa région, connue pour la richesse de ses vins et sa recherche agronomique. Cela te donne, outre la chimie et l'université, une autre raison pour revenir nous voir vite. En conclusion, ce titre d'honoris causa de l'Université de Montpellier permet donc, cher Philippe, d'honorer tes révélations scientifiques exceptionnelles, ton engagement envers la promotion de la connaissance et de l'éducation dans le domaine de la chimie, ainsi que tes relations avec l'Université de Montpellier, que ce soit au niveau de l'enseignement, mais également de la recherche. Cher Philippe, j'aimerais te féliciter chaleureusement pour cette distinction qui est bien méritée. Ton parcours exceptionnel est particulièrement inspirant pour notre communauté, et ce titre d'honoris causa, j'en suis convaincu, sera un élément fort pour renforcer les échanges entre nos deux universités. Nous pouvons t'applaudir. Chers collègues, nous faisons donc docteur honoris causa de l'Université de Montpellier, un titre amplement mérité, un titre qui vous oblige maintenant, hein, donc, comme je l'ai dit. Donc vous êtes à présent chez vous, et donc venez quand vous voulez, autant de fois que vous le voulez. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you.
Monsieur le Président, cher Philippe, Monsieur le Doyen, Monsieur le Directeur du département, chers collègues, Messieurs, Mesdames les vice-présidents et vice-présidentes, Messieurs, Mesdames les professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, il me plaît d'insister sur cet aspect, vous l'avez compris, comme je dis encore ce matin, sans étudiants, pas de professeurs, sans étudiants, pas d'administratifs. Nous formons donc tous et toute une famille unie. Derrière cet honneur que vous faites honneur, tu l'as dit Sébastien, à de nombreuses personnes qui ont contribué, qui continuent à contribuer à leur recherche que nous essayons de faire au sein de l'Université de Mons, au sein du centre de recherche agréé Materianova, qui est totalement séparé de l'Université de Mons, que j'ai créé en 1997, qui est en fait, si vous voulez, le chaînon qui permet le développement de recherches fondamentales ou orientées à l'échelle universitaire vers l'industrie. C'est un centre de recherche pour les personnes qui sont familières avec cette notion de TRL 5 à 7, de Time Readiness Level. C'est la bascule, les Américains appellent ça the Death Valley, la vallée de la mort. Et donc nous avons voulu ajouter ce maillon il y a déjà maintenant 25 ans d'ici. Et donc c'est vraiment énormément de personnes, dont Sébastien, dont tu l'as cité, Amandine, Michel, Ricardo et Florian, quatre de nos doctorants partagés parmi bien d'autres chercheurs. Et donc en leur nom, je tiens vraiment à vous remercier et vous exprimer toute notre gratitude partagée ensemble avec tous ces chercheurs. Et vous savez, pour terminer ces remerciements, et je pense à eux, au-delà de tous les rankings, au-delà de tous les titres, les prix, bon, je suis très heureux, mais au-delà du nombre de publications et des brevets, finalement, la plus grande satisfaction d'un chercheur, c'est de voir prospérer ces jeunes diplômés dans leur vie, quelle qu'elle soit, qu'elle soit dans le secteur public, dans le secteur privé, en lien direct ou indirect avec la science. Moi, c'est là où vraiment je retrouve le plus grand de mes bonheurs, c'est de pouvoir rediscuter avec ces mêmes chercheurs, chercheuses, quelques années après, et sentir cette satisfaction du travail accompli et de la progression continue dans leur carrière scientifique et forcément dans leur parcours individuel, l'un allant difficilement sans l'autre. Donc merci à elles, merci à eux. J'en suis vraiment très, très, très honoré. Et Monsieur le Président, je peux vous garantir que je ne parlerai qu'en bien de l'Université de Montpellier. Je n'ai jamais fait autre chose parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, effectivement, quand on m'a demandé de parler de ce que j'aime, tu l'as dit, la motivation, la science avec un grand S, mais aussi la chimie, comme moteur de la transition écologique. Et je sais qu'ici, à notre université de Montpellier, l'écologie, la biodiversité, est réellement un moteur du changement, de cette transition. Ça représente, vous en doutez, un défi majeur auquel nous sommes confrontés et auquel les jeunes, la jeunesse, nous poussent plus que jamais à nous investir beaucoup plus que ce que nous l'avons fait précédemment. La chimie doit se regarder dans le miroir, c'est-à-dire les chimistes, évidemment. Et je dis souvent, qui mieux qu'un chimiste pour rattraper, pas que du mal, mais en tout cas les erreurs du passé. La chimie est essentielle. Elle nécessite cette transition écologique, des changements profonds dans notre façon de produire, de consommer et de vivre. Et il a été dit, le rôle des sciences et de la chimie, c'est justement au niveau de la production, de la consommation et plus largement de notre quotidien. Et dès lors, je pense sincèrement que la chimie, au-delà de son rôle de science exacte, parmi d'autres, doit être mise à profit pour développer des solutions innovantes. La recherche est une chose, le développement est une autre, l'innovation
doit être comprise. Et qui dit innovation dit jusqu'à l'implémentation industrielle au service de notre société pour répondre à ces défis environnementaux. Et force est de constater que, oui, il existe déjà, heureusement, vous allez me dire, des contributions concrètes de la chimie. J'en ai repris quelques-unes ici. La liste est loin d'être exhaustive. Nouvelles sources d'énergie, sans oublier les technologies de stockage de l'énergie. Prenez en exemple, finalement, la production d'hydrogène, quelle que soit la couleur, d'ailleurs, vert, turquoise ou autre. Mais aussi le stockage et le transport, évidemment. Les technologies d'assainissement pour le traitement des déchets et des eaux usées. Le secteur de la chimie pharmaceutique et médicale, pas besoin de vous rappeler la phase de crise sanitaire que nous venons de passer. Et la production des matériaux, vous l'aurez compris, qui est mon domaine de prédilection, de matériaux durables, tels que matériaux biosourcés, matériaux recyclés, matériaux intelligents, mais j'insiste sur le durable. Je pense en particulier, Monsieur le Président, à nos nouvelles hanches. Plus durable possible. Alors, j'ai un petit peu regardé, et je ne vais pas vous cacher, j'ai fait ce que nos étudiants font très bien, et je les encourage, l'important c'est d'avoir le recul, j'ai utilisé ChatGPT. Et je leur ai demandé quelles sont les 10 futures avancées de la chimie dans mon domaine en sciences des matériaux. Voici ce que j'ai ressorti. J'ai repris cette liste et je l'ai mis dans Google Bard, qui me confirmait cela dans un ordre différent. Donc, vous voyez, mais je cite mes sources. Donc, je me tourne auprès des étudiants, n'oubliez pas de citer vos sources. Et d'avoir un œil critique sur ce qui ressort. Et on retrouve matériaux autoréparants, matériaux intelligents, matériaux biosourcés, légers, résistants et durables, matériaux conducteurs, supraconducteurs, les nanomatériaux, combinaison de nanotechnologie de ces matériaux, les matériaux médicaux, les prothèses entre autres, matériaux magnétiques, photoniques et matériaux catalytiques. Mais ce que ne disait pas ChatGPT ou Google Bard, c'est que souvent, il y a une combinaison entre ces matériaux. Le matériau sera léger, il peut être biosourcé, il peut être autoréparant. Et je peux combiner à souhait ces 10 entrées, 2 à 2, 3, enfin, comme vous le voulez. Et c'est ça aussi la richesse. C'est cette combinaison mutuelle. Et donc, à mon sens, la chimie est une science à part entière, évidemment. Elle a un rôle important en tant que telle en science des matériaux, mais pas qu'isolément, que isolément. Un QU apostrophe devrait être ajouté ici. Pourquoi ? Parce que je crois, et vous l'avez probablement compris dans les propos qui ont précédé, je crois personnellement à l'importance de l'interdisciplinarité scientifique. Cette fertilisation croisée, cross-fertilization, comme disent les anglo-saxons, où on combine biologie, chimie, physique. Voilà, il y a une richesse inouïe, ce qui m'avait, d'ailleurs, ça a été dit précédemment, poussé à cette approche matricielle au niveau de notre université. Au niveau vertical, nous avons 10 facultés, mais au niveau horizontal, nous avons ces recherches trans-interdisciplinaires, vous utilisez le qualificatif que vous souhaitez, combinant les expertises des uns et des autres. C'est comme ça que moi, personnellement, je vois et j'entends la recherche par cette interdisciplinarité. Et pour en témoigner, aujourd'hui, il en était touché mot par Sébastien, j'ai pris une illustration ici dans l'encadré sur fond jaune. Ce sont ces fameux revêtements anti-biofouling, durables et non toxiques, où, comme vous pouvez le constater, on va combiner différents secteurs de la chimie, parce que la chimie, c'est un ensemble de sous-secteurs, ici macromoléculaires, inorganiques, catalyse organique, mais avec d'autres approches, nanotechnologie, physique des surfaces, biologie des organismes marins, et j'en passe. Alors, un petit coup de teasing,
demain, j'aurai l'occasion de m'entretenir au niveau de la faculté des sciences, au niveau des nouveaux matériaux biosourcés, avec une originalité. Ils sont biodégradables, mais la biodégradation est programmable. On peut décider comment, quand et où cette dégradation s'opère. C'est vraiment tout, tout nouveau. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, venez demain. Alors, cette illustration, c'est ceci. On n'est pas loin de la mer. Et un des problèmes, tu l'as dit, Sébastien, c'est cet encrassement biologique, hein, ce biofouling. Ici, vous avez une coque de bateau avec son hélice. Si on zoome, on voit ce qu'on appelle des balanes, des barnacles en anglais, qui viennent s'accumuler à la surface et qui vont énormément augmenter le frottement lorsque le bateau est en déplacement. Ça va l'alourdir, ça va évidemment réduire sa vitesse, il y aura une surconsommation de carburant, etc. Et donc, ce biofouling, c'est le résultat naturel d'un processus de bioaccumulation. Tu parlais de biofilm, effectivement, c'est la phase initiale. Mais ça peut aller sur l'attachement de crustacés, d'organismes, voire de micro-organismes, de plantes, des algues, comme on peut voir ici à droite, sur toute surface exposée à un environnement marin. Cet encrassement biologique, ce biofouling, est traditionnellement contrôlé depuis la nuit des temps par des peintures anti-biofouling. À l'origine, on utilisait du cuivre, par exemple, ou même de l'étain. Et encore jusqu'il y a peu, des peintures commerciales sont encore, ma foi, utilisées. Et ces peintures sont chargées de biocides, c'est-à-dire d'éléments actifs qui vont tuer littéralement ces organismes qui cherchent à venir se déposer sur la coque du bateau, par exemple. Et donc, ce n'est pas un relargage permanent, c'est une action chimique. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, votre revêtement, votre peinture, s'appauvrit en biocides. Et c'est ce que tu as dit, il faut mettre le bateau en cale, retirer la peinture et en redéposer une nouvelle avec une fréquence qui peut être relativement importante, tous les 3, 4, 5 ans, en fonction du bateau. Et donc, ces agents sont toxiques, puisqu'ils tuent, ils éliminent sur place les organismes qui tentent à venir s'accrocher. Mais, et je l'ai dit, fort heureusement, de nouvelles régulations exigent l'absence d'effets négatifs pour l'environnement et l'arrêt réglementé de l'utilisation de biocides contenant, par exemple, de l'étain, un tributylétain pour les chimistes, ou encore d'oxyde de cuivre ou des alliages cuivre-nickel, des métaux lourds. Très bien, on ne peut plus les utiliser. Et pourquoi ? Mais parce que on a rapidement constaté, et ça remonte déjà dans les années 80, que des huîtres, par exemple, voyaient délamination de leur coquille, ici, une fragilisation de la coquille, et par analyse chimique de la coquille, qu'est-ce que l'on constate ? Une accumulation, je vous le donne en mille, de cuivre et ou d'étain. S'ils se retrouvent là, il ne faut jamais oublier que ces coquilles ont un rôle de filtration, ils se retrouvent dans l'alimentation, et donc dans nos assiettes, etc. Donc, le problème est d'autant plus important que cette accumulation, elle va de manière croissante là où les bateaux sont immobiles, c'est-à-dire en bordure de nos côtes, lorsque le bateau est à quai, et donc là où finalement les pêches essentiellement, ou les cultures, en l'occurrence ici d'huîtres, ont lieu. Et donc il y a vraiment un grand problème. Et donc l'idée a été comment faire en sorte de contrôler ce problème d'accumulation d'organismes marins, de biofouling, tout en évitant le recours à des biocides, à des peintures actives chimiquement. D'autant, comme tu l'as dit, qu'il y a des effets négatifs en termes économiques également. Ce biofouling provoque l'augmentation de la résistance frictionnelle par frottement sur les coques de bateau,
une surconsommation de carburant. Et les chiffres d'il y a une dizaine d'années, je ne les ai pas actualisés, il me faut dire la vérité, ça représentait environ 20 milliards d'euros grâce aux aux peintures anti-biofouling pourtant chargées de biocides, avec des gains annuels estimés à 20 milliards d'euros. Et voyez aussi une réduction forcément concomitante annuelle en gaz carbonique de près de 400 millions de tonnes de CO2. Donc les enjeux sont non seulement environnementaux, mais également économiques, fort heureusement les deux allant de pair. Et donc, on a été engagé il y a déjà quelques années dans un méga projet européen qui s'appelait AMBIO, avec des chimistes, des ingénieurs, des physiciens, des biologistes. Vous voyez cette interdisciplinarité. Et dans ce projet, différents acteurs, dont l'Université de Mons, ont été approchés pour est-il possible de produire des peintures, des revêtements facilement applicables, puisqu'on vise l'application évidemment industrielle. Et donc, l'idée qui a germé dans nos esprits à Mons, c'est d'avoir une action purement physique, on ne relargue pas de biocides, et donc permanente. Et je dois vous avouer que très naïvement, j'étais en face de collègues de biologie marine, je dis, ils ne comprenaient pas trop l'idée, je dis, vous voyez, j'ai utilisé le principe du tapis de Fakir, où je dis, si on a une peinture siliconée, pourquoi ? Parce que hydrophobe, donc c'est assez naïf de ma part, mais avec, on va mettre des nanotubes de carbone, et je dis, mais s'il y en a certains qui sortent à la surface, ils vont faire un petit peu, ils vont représenter un petit peu une sorte de tapis de Fakir qui va minimiser la propension qu'auront ces organismes vivants, marins, à venir se déposer sur les surfaces. Et puis on est parti comme ça. Et on était actif à l'époque dans le domaine des revêtements siliconés. Et surtout, j'étais très actif avec mes collègues et collaborateurs dans le domaine des nanotubes de carbone. Et il se fait qu'il y ait une société en Belgique qui s'appelle Nanosil, qui est une spin-off de l'Université de Liège et de l'Université de Namur, qui produisait, et produisent toujours d'ailleurs, des nanotubes de carbone. Vous voyez, ce sont ces longs fils extrêmement fins, le diamètre est de 1 lorsque ce sont des nanotubes simples parois, on dit qu'il n'y a qu'un tube. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, comme on voit ici, un petit peu à l'instar d'une canne à pêche télescopique repliée sur elle-même, ou un jeu de poupées russes, si vous voulez. Ils peuvent être très longs, mais très fins. Ici, vous avez ces nanotubes de carbone dits multiparois, parce qu'il y a plusieurs tubes de manière concentrique, comme là. Et vous voyez, par exemple, les caractéristiques. Le diamètre moyen de ces nanotubes de carbone, c'est 100% de carbone, voilà, c'est 10 nanomètres, la longueur peut monter jusqu'à 1,5 micromètre, avec une surface spécifique énorme, 300 mètres carrés par gramme. C'est-à-dire que pour 1 gramme de cette matière, il vous faut 3 à 4 fois la surface de cette pièce-ci, une fois qu'elle est étalée. Donc, énormément d'interactions. Alors, pour bien cerner de quoi on parle, dites-vous bien que ces nanotubes, globalement, c'est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu. Mais pour bien visualiser et illustrer mon propos, un cheveu, c'est globalement 100 000 fois plus fin que le fuselage de l'Airbus 380, en termes de diamètre. Donc, il faut bien se rendre compte que quand on parle de nanotechnologie, on est vraiment dans une échelle extrêmement réduite, qui va présenter cet avantage de développer une surface au contact avec l'extérieur énorme de par la taille moyenne très réduite. Et deuxièmement, que pour pouvoir exploiter l'effet dit nano, il va falloir des quantités extrêmement faibles, bien inférieures à 1%. Le matériau, la peinture dont je vais vous parler, c'est 99,9% de silicone et 0,1% de nanotubes. En mettre plus, ça ne sert à rien. On se dit, oh, je vais mettre un peu plus, ça sera plus efficace. Au contraire, vous allez diminuer l'efficacité parce que ces nanotubes, à l'instar des cheveux, vont commencer à s'agréger, à s'agglomérer ensemble. Et donc, vous n'allez pas retrouver l'effet nano. Et je vais en témoigner. Et donc, nous avons mis au point, ce sera le seul slide chimique pour aujourd'hui, une matrice silicone, c'est ce qu'on appelle du polydiméthylsiloxane,
qui est commercialisée. On va réticuler cette résine silicone bicomposante par une catalyse organique originale, contrôlée, puisque ces systèmes catalytiques industriels sont justement à base d'éthyl, d'alkyl-éthyl. Comme on voulait limiter, ne pas avoir de recours à l'éthyl, on était obligé de développer une nouvelle catalyse de réticulation, c'est-à-dire de prise de ce revêtement en silicone sans éthyl. Donc on s'est lancé dans la catalyse organique. Nous avons fait d'abord cela. Puis ensuite, il fallait, au fur et à mesure que cette peinture prenait forme, pouvoir disperser les nanotubes de carbone de manière à ce qu'ils ne s'agrègent pas les uns aux autres, mais qu'ils se retrouvent distribués de manière individuelle, idéalement, dans le revêtement polymère. Et enfin, un système qui permet non seulement de durcir le revêtement, d'y distribuer des nanotubes de carbone, cet additif dont on veut une partie en surface, mais également de l'appliquer sur tout type de support par des techniques industrielles conventionnelles. Et donc nous avons breveté, puis ensuite publié, une composition silicone qui contient un polymère, polydiméthylsiloxane, multifonctionnel, réactif, un agent de réticulation, un catalyseur de réticulation, dépourvu de tout métaux, des nanotubes de carbone commerciaux, pouvant être appliqués par brossage, injection, voire spray industriel. Et ça, ce sont les toutes premières photos que nous avions faites de notre technologie, où on peut brosser, on peut injecter, un peu comme une cartouche de silicone que vous allez acheter au do-it-yourself, au bricot du coin, mais également sur une éponge, c'est très intéressant, parce que ce qui est inventé, c'est qu'on protège bien la surface et que le cœur n'est pas imprégné. Et donc, on a travaillé avec Nanosil, on a sorti un grade commercial qui est toujours en production, que vous avez là, le NC7500. Évidemment, je reviens à notre objectif. Nous travaillons avec des biologistes marins. Ici, c'est la société TNO en Hollande, en mer du Nord. Et vous voyez, ici, vous avez une plaque en acier qui a été brossée à gauche avec du silicone pur, 100%, pas de nanotubes de carbone. Et à droite, le même silicone, mais avec 0,1% de nanotubes de carbone. Donc, la seule différence entre la gauche et la droite, pas de nanotubes de carbone, là, 0,1%. Cette plaque a été immergée dans l'eau de mer, sortie 4 mois après, et à l'œil, on voit tout de suite l'effet. Ici, une accumulation d'organismes marins, ce sont des algues, des larves. Alors, on a quantifié cela avec l'université de Birmingham, qui sont des biologistes marins. Alors, il y a eu toute une batterie de tests, je ne vais pas les reprendre. D'abord, j'en ai pas les compétences, je ne suis qu'un chimiste. Mais voilà, ici, par exemple, c'est la fixation de larves de baleine. Donc, on voit les larves qui viennent se fixer comme ça. Une fois qu'elles sont fixées, elles grandissent, elles croissent, et donc elles couvrent, comme on a vu, sur la coque du bateau. Et là, vous voyez ici, c'est un substrat en verre. Comme ça, par transparence, on peut compter le nombre de larves avec du silicone non chargé, on voit déjà un effet favorable. On passe d'une surface hydrophile à une surface hydrophobe, pour ceux qui connaissent. Et vous voyez ici, 0,05, 0,3%. Et puis si on augmente la quantité, on remonte. Et là, pour ce type de fixation, on voit que l'optimum ici est quelque part entre 0,1 et on va dire 0,4% en poids. Donc il y a déjà une remarquable diminution de la quantité fixée de ces larves avec une très faible quantité de nanotubes de carbone. Alors, c'est très bien de minimiser cette propension qu'a un organisme, quel qu'il soit, de venir se fixer, mais c'est mieux encore de pouvoir le détacher, surtout si le bateau est en mouvement et qu'il va y avoir le frottement. Et à côté de cette diminution de fixation, il y a cette capacité de détachement. Ici, ce sont des spores d'algues dites ulva, vous voyez, qui viennent là. Et donc, là, on voit que l'optimum est à 0,1% en poids. Donc, la chance que nous avons, c'est que, un, on diminue le taux d'organisme qui vient se fixer, mais dès qu'il y a un mouvement, ici, on prend un spray,
d'eau, simplement, un jet d'eau sous légère pression, et on calcule, toutes conditions inchangées, l'effet de la présence des nanotubes de carbone sur cette capacité de détachement. Alors on essaie de comprendre qu'est-ce qui justifiait ça. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le tapis de Fakir, mais on n'en est pas loin. Vous avez ici à gauche une surface de silicone seule, observée par microscopie à force atomique. Donc, vous voyez ici, vous avez 5 microns carrés. Et vous avez une surface avec quelques défauts, quasiment lisse. La hauteur, c'est 30 nanomètres. Donc, c'est 0,03 microns. Et là, à droite, la seule différence, c'est qu'on a ajouté, vous voyez, 0,1% d'un nanotube de carbone, donc 99,9% de silicone, et on voit une grande différence dans la surface. Il y a cette nanorugosité induite par la présence d'un nanotube de carbone. Après immersion dans l'eau, la surface se réorganise due à la présence d'un nanotube de carbone, et cette peinture voit sa surface en contact avec l'eau, nanostructurée, et ceci est responsable de ce qu'on observe. On a été plus loin dans l'étude. On a collaboré avec la société BASF en Allemagne, qui à l'époque avait cette possibilité d'observer directement dans l'eau par microscopie à force atomique. Aujourd'hui, on le fait dans nos labos, mais à l'époque, on n'avait pas directement accès à cette technologie. Vous voyez ici, après un jour d'immersion, 6 jours, on plonge dans l'eau, on retire l'échantillon et on regarde à l'air. Et là, on observe directement après 6 jours d'immersion. Et vous voyez, finalement, cette nanostructuration des surfaces de silicone chargées de nanotubes de carbone. Alors, ce que l'on voit ici, ce ne sont pas des tubes qui passent. Si on fait une analyse chimique de surface, c'est du silicone. Et donc, les nanotubes poussent en dessous de la surface et provoquent cette restructuration. On a fait des modélisations théoriques, on a l'explication, je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais je peux partager les publications pour ceux et celles qui pourraient éventuellement le désirer. Et donc, ma conclusion est, oui, ben ce tapis de Fakir, finalement, ce n'est pas forcément utopique, même si l'idée initiale n'est pas du tout celle qu'on observe, mais le résultat est globalement le même. Alors finalement, quand on réfléchit bien, on n'a rien inventé. C'est vraiment de la bio-inspiration. Parce que qu'est-ce qui se passe? La nature nous donne souvent le chemin à suivre. Et c'est un conseil que je donne souvent aussi à mes propres étudiants. Allez voir ce que la nature nous offre comme solution lorsqu'elle est face à telle ou telle difficulté. La superhydrophobie de la feuille de lotus, c'est ces nanostructurations, mais également, et ça c'est très proche de ce que nous souhaitons lorsqu'on a un bateau qui est en mouvement, hein, c'est cette nanostructuration, cette hydrodynamique, telle que l'on peut le voir ici sur ce cliché zoomant la peau d'un requin. Évidemment, vous l'avez compris, nous avons décidé de pousser dans les TRL plus élevés, là, avec cette création de la société NanoWave par Nanosil, ici Beneteau. Cette coque, ici, est complètement recouverte de peinture silicone chargée de nanotubes de carbone. Hein, vous l'achetez, voilà, et vous mélangez les deux composants. Elle est déposée par spray. J'espère que ça va fonctionner. Là, donc là, vous voyez, c'est déjà des essais qui remontent sur un navire de 235 mètres de long. Joli nom, Made in Venture. Alors, je vais aller directement. Je retrouve mon curseur. Hop, 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 hop. Voilà, on va y arriver. Voilà. Et vous allez voir comment il le peint. Quand je vous disais que c'est sprayable, vous voyez, il y a du travail, hein, je peux vous le dire, à 235 mètres de long. Hein. Ouais, voilà, regardez, il se prêt là. Le temps de prise est environ 12 heures, une fois c'est prêt. Et tout semble indiquer, j'ai perdu de vue avec notre nouvelle fonction ce qui s'est passé, mais ce bateau, il y a un dépôt, mais dès qu'il est en mouvement, par cet effet physique permanent, il y a cette belle tendance escomptée du retrait des micro-organismes. Voilà, par cette simple illustration, oui, je pense sincèrement que la chimie, combinée à d'autres technologies, a un rôle à jouer.
Demain, je parlerai, je complète mon petit teasing avant de terminer mon propos, de ces fameux matériaux biosourcés. Tu l'as dit, là, c'est, franchement, c'est un de nos bébés. On n'a pas été le seul. La recherche ne se fait jamais seule. Moi, je suis très favorable à la collaboration nationale et internationale. Ça tombe bien. Hein. Le PLA, ce fameux polymère issu de ressources renouvelables, hein, on est vraiment dans ces cycles biologiques fermés, cette circularité, hein, soit par compost industriel, soit par recyclage chimique. Hein, donc, on se débarrasse de cette emprise de ressources carbone fossiles. Mais ce qui est très intéressant, et tu l'as mentionné, c'est qu'on travaille très étroitement avec la société Carbios. Et c'est l'intervention ici de l'enzymologie, l'ingénierie d'enzymes. Et nous sommes parvenus maintenant à, dès la production, par exemple, d'une bouteille en PLA ou d'un pot de yaourt en PLA, on met l'enzyme, elle est piégée, elle ne bouge pas. On a fait des tests jusqu'à 18 mois. 18 mois après, le pot de yaourt, la bouteille reste impeccable. Et ensuite, on a cette possibilité, on la met dans un compost, on la met dans mon jardin, je l'ai fait dans mon jardin, dans un compost domestique, ou même dans une usine de biométhanisation, et bien la dégradation est totale. Donc on arrive à programmer, à préprogrammer le moment, l'endroit de la biodégradation. Et je peux vous dire, je connais la nouvelle depuis peu, que c'est accepté dans Nature. Donc là, vous allez voir dans un prochain numéro de Nature cette combinaison de chimie et d'enzymologie. Donc ma conclusion, vous l'aurez compris, ça aurait été dommage si je n'y arrivais pas, hein, c'est que oui, évidemment, la chimie a un rôle à jouer en science des matériaux et donc au niveau des défis environnementaux, cette transition écologique, mais pas qu'isolément. Je vous remercie pour votre attention et j'aime toujours terminer mes exposés avec un peu de réflexion et donc j'ai le plaisir de vous les laisser lire. Je vous remercie beaucoup et encore grand merci pour l'honneur que vous me faites. Et puis quelques présents. Super, merci. Hélène Rey, 2 minutes, 7 minutes.
Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Hop, on tout ça, comme ça sera plus commode. Voilà, et puis on vous invite tous à se retrouver autour de la mer pour célébrer encore Monsieur Dubois.